roads are the dustiest, the winds are the gustiest, the gates are the rustiest, the pies are the crustiest, the songs the lustiest, the friends the trustiest, way back home, back home. The trees are the sappiest, the days are the nappiest, the dogs are the yappiest, the kids are the scrappiest, the jokes the snappiest, the folks the happiest, way back home. Don't know why I left the homestead, I really must confess. La guerre. La guerre ne meurt jamais. La saison 12 est sortie le 28 février et celle-ci a ajouté pas mal de nouveautés, notamment les événements mutants et leur pack de fêtes mutantes. Une amélioration des événements classiques, de nouveaux lieux pour les opérations quotidiennes et les aliens dans celle-ci. L'ajout de diverses choses comme le fameux fusil à pompe cryogénique, le mépris, l'enclave avec le skin pour les armures et le skin pour le fémin, le nouvel abri test nucléaire où on peut vraiment essayer une frappe atomique de loin, bien à l'abri, bien au chaud dans son abri. La tourelle cryogénique ainsi qu'un mystérieux PNJ. Salut à tous, c'est Sokfouli97 et aujourd'hui je vais donner mon avis sur la nouvelle saison de Fallout 76, la saison 12. Le premier point positif, évidemment, les événements mutants. Les événements mutants sont une belle idée de la part de Bethesda. Ça fait un petit moment que je n'ai plus vu de joueurs sur les événements, et grâce à ces derniers, il y a de plus en plus de joueurs qui font les événements. Car comme vous le savez, dans ceux-ci, les ennemis sont mutés, et ils ont donc les mêmes effets qu'en opération quotidienne. Assez coriace et plus difficile à faire, mais pas non plus infaisable, puisque les événements sont pour l'instant bondés, nous verrons dans quelques semaines, mais pour le moment, ça se passe plutôt bien. La récompense que nous avons en terminant un événement mutant, s'il y a 3 joueurs first avec nous évidemment, nous avons un pack de fêtes mutantes, dorées donc, avec 3 joueurs first dans l'événement, et comme la majorité des joueurs maintenant possèdent le Fallout First, j'ai toujours le pack doré. Et ce pack est plutôt très intéressant puisque celui-ci vous donne des plans assez rares, des plans nouveaux et des plans qui sont quelquefois assez embêtants à trouver. De la mitraille avec une arme et une armure, ainsi que quelques bric-à-brac. Les éléments classiques aussi ont été modifiés. Les événements classiques, donc hors mutants, ont été aussi un peu upgrade. Ceux-ci ont plus d'ennemis légendaires aussi, et du coup sont bien plus intéressants qu'avant. En deuxième point positif, la mitraille. La mitraille qui passe de 300 à 500 de manière permanente. Et en ce moment, la mitraille est même doublée. Elle est à 1000. Et oui, 1000 le mitraille à la machine, les gars. C'est vraiment sympathique, et ça aide grandement pour ceux et celles comme moi qui farmons les modules légendaires pour appliquer à nos armes et armures des perks très badass et très puissantes. Troisième point positif de cette saison 12, la nouvelle arme, le fusil à pompe cryogénique, appelé aussi le mépris. Le mépris, le fusil à pompe cryogénique, et du coup l'un des meilleurs fusils à pompe du jeu, est très fort, très efficace. Il inflige des dégâts cryogéniques, des dégâts balistiques et cryogéniques sur les ennemis. Quadruple et plus de dégâts infligés aussi également sur les ennemis cryptides, monstres de Krafton, Flatwood, Wendigo, Omphalen, il est redoutablement puissant. En quadruple, cela vous évite de recharger à chaque fois que vous tirez 2 cartouches. Et franchement, je vous le recommande, en tout cas pour essayer. En PvP, il doit être assez fort aussi, car très peu de joueurs possèdent une grosse résistance à la cryogénie, hormis ceux qui sont équipés entièrement de l'armure de marine arctique. Le mépris, une arme à ne pas sous-estimer. En quatrième point positif, l'enclave, ou du moins quelques skins. Un skin pour les armures, l'armure des services secrets, l'armure de marine et l'armure d'éclaireur. Et le fémin aussi qui a son propre skin de l'enclave. Plutôt joli, n'est-ce pas? Je le trouve vraiment assez stylé, comme pour les armures. C'est dommage que nous avons que des skins, nous n'avons rien d'autre sur l'enclave. Et j'aimerais beaucoup qu'ils y ajoutent des quêtes. Une histoire avec l'enclave, comme ils ont fait pour Wastelander, mais pour l'enclave. Car après tout, c'est quand même la meilleure faction de toute licence. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. Premier point négatif, toujours pas de quête et d'histoire. Wastelander est bien lointain. C'est vrai que Wastelander, j'en parle beaucoup, beaucoup d'entre vous en parlent aussi, comme la plus grosse ainsi que la meilleure mise à jour que Bethesda a fait pour Fallout 76. Wastelander est un regroupement de quêtes, une histoire, des factions, des PNJ, l'apparition des premiers PNJ, des premiers dialogues. Alors même si les quêtes, nous étions en mode Uber Eats Simulator, en mode Factor Simulator,
faisant des allers-retours pour toutes les quêtes, et celle-ci peut être terminée en 4 heures. Wastelander reste pour moi la meilleure mise à jour de tout le jeu. Je me demande bien quand est-ce que une mise à jour aussi grosse, aussi importante et aussi bien travaillée que Wastelander sortira à nouveau. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous êtes d'accord avec moi sur une potentielle mise à jour aussi grosse, aussi bien faite, aussi bien travaillée que Wastelander. Deuxième point négatif de cette saison 12, certains bugs sont toujours présents. Et il y a même le bug du TP qui est revenu. J'ai du mal à me téléporter quelquefois, souvent sur les événements mutants, et même sur des endroits basiques, comme mon camp et autres, les gares par exemple. Certains défis sont même buggés quelquefois, vous ne pouvez pas les réaliser. C'est dommage que Bethesda ne décide pas de faire une énorme mise à jour à propos de cela, une mise à jour de même 30-40 Go, pour corriger tous les bugs, et même faire une mise à jour rien que pour ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez à propos de cela. Troisième point négatif de cette saison 12, les récompenses du tableau ne sont pas incroyables. Et je dis ça même si je suis Fallout First. Hormis quelques jetons, paquet de cartes, boîte à sandwich, qu'on connaît d'habitude, il y a évidemment des skins, comme à chaque fois. D'armure assistée, d'armure corporelle. Il y avait un préfabriqué que j'attendais beaucoup, mais celui-ci, malheureusement, est un petit peu une arnaque. Extérieurement, il est fabuleux, bien fait, très bien travaillé. Mais intérieurement, celui-ci fait peine à voir. Très petit, très étroit, il est un petit peu décevant intérieurement. C'est juste que les récompenses, malheureusement, une fois de plus, ne sont pas au rendez-vous. Excepté quelques-unes malgré tout, la tourelle cryogénique est pour moi une bonne récompense, malgré tout. Quatrième point négatif de cette saison 12, la roadmap est vide. La roadmap, malheureusement, nous l'avons eu, une demi-roadmap, hein, c'est pas la roadmap entière, et celle-ci est un petit peu vide, celle-ci manque du contenu. Hormis la saison 12 que nous avons actuellement, il n'y aura rien d'autre avant le mois de juin, où il y aura la saison 13 et la fameuse lune bleue. Sur quel thème, je ne sais pas. Nous n'en savons encore rien dessus. Dans un mois ou deux, peut-être, nous aurons probablement des leaks qui sortiront. Je vous les présenterai sur ma chaîne YouTube, bien évidemment. En attendant, ça fait un peu peur. Et ça fait surtout un peu vide. Donc voilà pour les points négatifs. En conclusion, la saison 12, c'est pas trop mal. Du Cavoir était un petit peu mieux. Les événements mutés, c'est bien trouvé. Les packs de fêtes mutantes sont fort sympathiques pour leurs récompenses. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Il y a eu bien pire que cela. Personnellement, je trouve cela pas trop mal. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Peut-être que je ferai une vidéo à propos de vos avis que je lirai dans la vidéo dédiée à cela. J'aimerais beaucoup, comme j'ai déjà pu dire, que Bethesda fasse une mise à jour pour les bugs, ainsi que pour ajouter, peut-être à l'avenir, une mise à jour aussi bien que Wastelander. Car après avoir terminé les événements mutants, après que ceux-ci soient désertés par les joueurs en majorité, il n'y aura de nouveau plus rien à faire sur le jeu. Bethesda semble très occupé sur Starfield et sur d'autres jeux, ce qui est normal. Mais attention à ne pas délaisser Fallout 76, il y a encore des joueurs qui y jouent, et que malgré cela, sont toujours bien présents. Ce sera tout pour cette vidéo, n'hésitez pas du coup à liker et à commenter pour que je puisse avoir vos avis. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez de cette saison 12, les points positifs comme les points négatifs, et je vous répondrai avec grand plaisir dans les commentaires. Et pourquoi pas, même dans une vidéo. Sur ce, dans la description, vous retrouverez ma chaîne Twitch, ma chaîne secondaire et mon Discord. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait. Et comme d'habitude, je vous dis, bye tout le monde.